Bonjour et bienvenue à la nouvelle chronique sport. Aujourd'hui, en notre compagnie, le Handball Club Pontois. Donc, je vais laisser tout de suite la parole au président et à la secrétaire du club. Bonjour. Bonjour. Allez, Gilles, vous allez pouvoir présenter le Handball Club Pontois en quelques mots. Alors, le Handball Club Pontois, c'est une association sportive qui est née en 1979 sur la ville de Pont-de-Clé. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 155 licenciés. Ça part de 6 ans et ça arrive jusqu'à 34 ans pour les joueurs en compétition et un peu plus pour les arbitres ou pour les membres bénévoles du bureau. L'objectif cette saison, c'est la montée en régionale des seniors filles. On a eu par le passé des très très bons résultats et le club est en reconstruction, mais ça passe bien pour l'instant. Donc les temps forts pour cette fin de saison pour le Handball Club Pontois. Donc on va dans un premier temps parler de ce jumelage avec l'Allemagne. Donc oui, nous sommes en jumelage avec le club d'Allemagne à Wintzenloh. Donc nous les accueillons pour un week-end du 29 au 1er mai. Donc nous faisons une soirée le dimanche 30. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez participer à cette soirée, c'est à partir de 19h au foyer municipal. Super. Et les temps forts au niveau de la compétition, donc là ça concerne les filles cette année. Donc Gilles, un petit mot? Oui, alors le 5 mai à 19h30, les seniors filles du Handball Club Pontois reçoivent les filles, leurs homologues de domaine, pour le match de la montée. Le vainqueur de ce match se retrouvera en régional l'année prochaine. Donc on vous invite tous à venir supporter cette équipe et à samedi 19h30. Shake, shake, shake your hips for me. Tu fais quoi comme sport l'année prochaine? Du handball. Et donc pour l'agenda sportif de ce mois d'avril, donc bien entendu un événement majeur de l'année sportive pontoise, les championnats de force athlétique qui auront lieu le 14 et le 15 avril. Plus de 80 athlètes sont déjà inscrits, donc je vous rappelle cette discipline en trois actes, du développé couché, du soulevé et du squat. Donc on vous attend très nombreux, ce sera au foyer municipal. Dans un second temps, bien sûr, ce sont les fins de championnat respectifs pour le rugby, l'US de Pont et pour l'AS Futsal. On vous attend très nombreux pour les soutenir, c'est d'autant plus important que le maintien va se jouer dans ces dernières journées. On vous donne rendez-vous bien sûr à Flotibule aussi pour suivre le Pont-de-Clé Guc Waterpolo. Donc ce sont les week-ends, le soir. Les matchs par équipe du côté du tennis vont reprendre, donc là aussi on vous invite du côté du clubhouse du tennis et bien sûr à Maisonat pour suivre le FC Pont-de-Clé. Allez, à tout bientôt pour la prochaine chronique sport.